un accord aurait été trouvé entre Fabio Grosso et l'Olympique Lyonnais. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Grosso, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Fabio Grosso est tout proche de signer à Lyon. Pour moi, c'est une blague. Pour moi, c'est une blague. Donc, on me fait comprendre que on vit Laurent Blanc pour prendre Fabio Grosso. Mais il a quelle expérience en Ligue 1? Oui, on va me dire que non, il a joué à Lyon, etc. Il connaît le club. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Il était joué à Lyon, mais il n'a pas été entraîneur à Lyon. Il n'a pas été entraîneur dans un grand championnat. C'est peut-être en Serie A, mais je veux dire dans les grands clubs. Il n'a pas été entraîneur dans des grands clubs. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'en termes de palmarès, est-ce qu'on peut le comparer à Laurent Blanc? Laurent Blanc, c'est quand même un titre de champion, champion de France avec Bordeaux en tant qu'entraîneur. Il a coaché la sélection de l'équipe de France. Il a quand même un vécu, un palmarès à son actif. Il a coaché le PSG des stars. Et on remplace Laurent Blanc par Fabio Grosso. Pour moi, c'est vraiment une blague, les amis. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que c'est moi qui vois le verre à moitié vide? Donne-moi ton avis. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.